Bonjour tout le monde, je te parle aujourd'hui de la déglutition, deglutition, the action of swallowing. I want to start by showing you different structures, the anatomy involved in this process. Il y a deux systèmes en fait. Tu as le système respiratoire ou la trachée qui est le tube que tu sens ici quand tu sens les bas, ce sont des anneaux de cartilage. La trachée elle est en avant et ça, ça fait partie du système respiratoire. Tu as aussi l'œsophage qui est un tube mou qui fait partie du système digestif. Donc, tu as deux places où la nourriture pourrait aller. Elle ne doit pas aller dans la trachée. If food goes in the trachea, this is when you choke. This is what we say, food going down the wrong tube. It's because there are two tubes. To make sure food doesn't go down the wrong tube, we have flaps or membranes that close up certain openings to make sure food goes down the right way. Et ces deux membranes-là, une qui est située en haut ici, comme ici c'est la langue, ok? Si tu vas le palais mou à la fin ici, tu as la luette, ok? La luette qui s'appelle en anglais the uvula. Tu as ici, en haut de la trachée, tu as l'épiglotte ou en anglais the epiglottis. Donc quand tu avales, la luette va monter pour s'assurer que la nourriture ne va pas dans les fosses nasales. Ça veut dire qu'on ne veut pas de liquide qui sort par le nez. Si tu as un ami qui est en train de boire du lait, le nez et le lait sort par le nez, c'est parce que sa luette n'a pas bien fonctionné. Okay? Et tu veux également, pendant que tu avales, que l'épiglotte vienne ici par-dessus la trachée pour la fermer. Je te montre un autre modèle anatomique. Juste pour t'assurer de voir sur un autre modèle à quoi ça ressemble. OK? So, nasal cavity, fosse nasale. Tu as ici l'aluette, des uvula, ok? Tu as la langue, les dents, les lèvres, le menton. Je pars de la gorge, je vais vers le fond ici. Tu as l'épiglotte, the epiglottis, ok? Tu as ici la trachée, donc ça, ça va au poumon. We do not want food to go through this place here. We want food to go in the back through the esophagus, l'œsophage. Donc, quand tu avales, tu as deux choses qui arrivent. Tu as l'épiglotte qui baisse pour couvrir la trachée. Très important, épiglotte qui baisse pour couvrir la trachée. Et tu as la luette qui monte, elle monte, pour couvrir les fosses nasales. For next class, I want you to write tiny little notes on exactly these two membranes, what they do, okay? So you need to name them, tu dois les nommer, tu dois dire exactement ce qu'ils font. Je répète rapidement. You have the uvula, which goes up to cover the nasal cavity, and you have the epiglottis, which goes down to cover the trachea. This is deglutition, and every time you swallow and things go well, it's because your flaps, your membranes, worked well. See you next class.